Bonsoir mes amis de Good Life sur congrès.com. Ika de Jong, jamais côté, une grande star féminine congolaise, Madame Barbara Kanam. Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés. Vous êtes ici présente en Belgique pour l'élection Miss RDC Belgium. Vous avez été l'ambassadrice. Et vous avez été encore celle qui a représenté le Congo ici. Dites-moi un peu, comment ça s'est passé? Oh, ça a été une très belle soirée. Je suis très honorée, très heureuse d'avoir participé à ce concours. Ça fait toujours un pincement au cœur parce que quand on doit choisir parmi tant de filles, c'est pas facile, mais bon, c'est le but du jeu, c'est que la meilleure gagne. Et ce soir, on a choisi l'ambassadrice de la beauté de la RDC. Ça a été un bel événement, mais je félicite déjà toutes les filles qui ont participé. Et merci au comité d'organisation. Merci parce que c'est aussi une manière de célébrer la République démocratique du Congo, de célébrer la femme, de célébrer la beauté. Et je pense que c'est quelque chose de très, très beau et qu'il faut vraiment encourager. En tout cas, bravo et merci à vous encore. J'avais une question, madame. Bientôt, il y a un album qui sort. Nous, on vous suit. Vous faites du très bon travail. Est-ce que vous pouvez nous chanter juste un petit extrait de la chanson, la fameuse chanson? Alors, l'album, il sort très bientôt. C'est Zawadi. C'est un album de 12 titres. C'est un album que j'ai fait avec tout mon cœur pour faire plaisir à mon public. Et je vais vous chanter un petit extrait. Ce n'est pas Jarabi, c'est autre chose. Parmi tant de chansons, il y a La Vie. La vie est maman. La vie est maman. Olinga mo bali, mi bali compliqué. Olinga moi si ndoki maman. La vie est maman. Bobo yana et komi problème. Libala koswana moto pasi bakaka nganga. La vie est maman. Oh, la vie est maman. Voilà, on remercie énormément Barbara. On demande à tout le monde énormément. Cet album, ce sera un album assez lourd. Ah oui, oui, c'est mon quatrième album, donc j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs musiques. C'est vrai que moi je fais de la world music. C'est un album où j'ai mis tout mon cœur et j'ai fait plusieurs musiques parce que c'est mon quatrième album. Et donc j'ai toujours voulu apporter quelque chose d'autre à la musique congolaise. C'est vrai qu'on m'a jamais vu essentiellement dans la rumba, je fais un peu de la world music si on veut. Et là dans cet album il y aura une nouveauté parce qu'on verra Barbara dans d'autres styles, la salsa, générique, et je reviens à mes premiers amours de l'acoustique. Et c'est un album où je parle beaucoup des femmes, parce que c'est vrai qu'on dit, on parle souvent des hommes, mais on n'a pas souvent des chansons où on honore les femmes. Et je voudrais aussi, au travers de cet album, rendre un hommage à toutes les femmes qui sont violées à l'est de la RDC, les femmes qui sont violées en général dans le monde, parce que aujourd'hui le problème de viol, il n'y a pas que le viol physique, il y a aussi la violence verbale, il y a aussi la violence morale, il y a tellement de choses auxquelles les femmes doivent faire face. Voilà, c'est un album où j'ai envie de rendre hommage aux femmes, j'ai envie de célébrer la femme, célébrer l'Afrique, célébrer le monde, mais surtout célébrer la paix et l'espoir. Waouh, quel beau discours, Barbara Kanam. Ici présente en Belgique pour le moment. Il n'y a pas un concert en vue ici en Belgique, même une prestation. Pas un concert, une prestation. En tout cas, j'aurais voulu ce soir pouvoir donner de ma voix. Malheureusement, le programme était assez chargé. Donc, je compte revenir très bientôt, peut-être pour le 30 juin. C'est une surprise. Mais je vous réserve une grande surprise et je vais revenir parce que j'ai un public en Belgique, j'ai un public en Europe et j'ai envie de partager voilà ma joie avec vous. J'espère vous voir très bientôt. Je vous promets une prestation très très bientôt. Voilà, donc nous on sera là. Nous on est là pour vous encourager. Merci. Parce que vous faites du très bon travail. Parce que dans la chanson, on retrouve une certaine sérénité, une certaine propreté. Et vous le faites parfaitement. Vous êtes quelqu'un encouragé énormément. C'est pas parce que vous êtes là à côté, mais vous faites bien votre boulot. Dites-moi un peu, l'album, la vie familiale, c'est pas évident? Non, c'est pas évident, mais je suis comme toutes les femmes. Et ce que j'aime bien, c'est que moi j'aime bien m'identifier aux autres femmes.
Parce que c'est vrai, je suis une artiste, j'ai un métier public, mais j'ai une vie de famille. Et pour moi, la vie de famille est le fondement et le socle de toute chose. Et les femmes, une femme active doit donner de l'importance à sa vie de famille. C'est pas facile, mais je prends de mon temps pour emmener mon fils à l'école, pour faire ses devoirs, pour faire la cuisine, pour m'occuper de ma maison, parce que une fois que vous avez fini avec la scène, vous rentrez, vous vous retrouvez seul. Si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas des gens qui sont derrière vous pour vous soutenir, c'est très difficile. Et donc oui, c'est pas facile, mais il faut, la famille c'est important. Il faut pouvoir à un moment donné donner du temps aux gens qu'on aime, parce que c'est ça les vraies personnes. Et c'est ça l'essentiel de la vie. Revenir à l'essentiel, c'est très important. Voilà. Je remercie énormément Madame Barbara Kanam, notre star à nous, notre star congolaise, qui a accepté de répondre au micro de Ika de Young sur congolais.com. Un petit mot de la fin. Eh ben, merci à vous. Merci de me donner l'occasion, voilà, de m'exprimer sur vos médias. Merci à l'association qui a organisé cet événement ce soir. Je salue Elena Matundu, toutes ces grandes dames. Je félicite encore les Miss. Je salue tout le public congolais, tout le public de Diaspora et tous les fans de Barbara Kanam. Je vous aime et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Surtout, gardez espoir. Voilà, comme elle vient de le dire, la grande dame à mes côtés, gardez espoir. Merci beaucoup. Barbara Kanam, l'album arrive, suivez. Il y a du costaud, il y a du bon boulot, il y a vraiment l'amour pour ce qu'elle fait. Merci. Jungle.